c'est pour ce combat de Patrick Munongo et Maoussou en rouge. Ils vont se boxer. Ils se boxent, c'est ce qu'il faut dire. Dans la catégorie de léger. De léger. Patrick qui ne laisse pas de temps à son adversaire. Dès le premier round, voilà, il est décidé, il se déchaîne sur son adversaire, monsieur Prasadi. Oui, justement, nous l'avons tous suivi. Mais il n'a pas été précis dans ce coup. Il donne un coup. Attention, ça ce sont des hypercutes qu'il donne au ventre du boxeur Maoussou en rouge. Et il a le soutien de son public là derrière. Voilà. Je vois une banderole qui porte son effigie. Ouais. Et il est réputé pour de chaos technique depuis le début de ce championnat. Ouais, à plus d'une fois, il a mis ses adversaires chaos technique, monsieur Kazadi. Ouais, c'est ça, c'est un problème de savoir. Oh là, quelle belle hypercute, monsieur Kazadi, vous avez vu ça? Ouais, ouais. Attention, contre-attaque. C'est pas possible, il s'est réfugié vers les cordes. Attention. Oh là, monsieur Kazadi. Ah là, il a. Oh! Monsieur Kazadi, il a reçu un coup. Dans le sexe, monsieur 40, Kazadi. 5, 6. Avec le décompte de l'arbitre. Mais il en a eu pour son compte. Hein. Monsieur. Maoussou. Munongo attaque. Accrochage. L'arbitre intervient. Munongo est décidé. Il est en train de lui rouer le coup. Hein. Une pluie de coups sur son adversaire. Il veut en finir dès le premier round. Munongo qui est sur ses gardes. Munongo. Sur le front, monsieur Kazadi. Alors là, c'est sérieux. Il veut en finir. Il ne pourra pas résister, monsieur Kazadi. Il ne pourra pas, je ne crois pas, je ne pense pas. Oh, ce round. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. 6, 7, 8. Maoussou. Oh, Munongo Patrick a l'avantage. Dès ses premières rounds sur son adversaire, il reprend le jeu. Il reprend Maoussou qui reprend. Il se laisse faire. Ça fait partie de sa technique. Hein. La fin du premier round. Ah non, mais... Alors là, on voit toute la beauté de la boxe, monsieur Kazadi. Ouais, ouais, c'est ça. Il donne des coups, mais c'est comme sur un mur. Hein. Non, accrochage. Non, il envoie aux cordes. Avertissement de l'arbitre. Il se passe quoi, monsieur Kazadi? C'est blessé? Il saigne. Il saigne du nez. Du nez? Non, plutôt à côté. À côté. Lelo Kobunda. Le boxeur au gant rouge est essoufflé. Il ne tient plus le coup devant son adversaire. Mais bon, comme il y a toujours des surprises dans la boxe, il essaye de se rattraper. Mais alors là, Patrick ne lui laisse pas le temps. Non, il se laisse faire. Patrick attaque. Accrochage, l'arbitre intervient. Olukaka bagarre. Olukaka bitumba.
Patrick, Patrick se laisse faire. Mais visiblement, le boxeur au gant rouge n'a pas le dessus sur Patrick. Patrick est en train de laisser faire. Premier avertissement public au boxeur Maoussou pour accrochage. Alors là, il est désavantagé. Voilà ce coup. Oh, il a fui, il est vite. Patrick veut en finir avec lui. Il est en train de lui verser, de lui donner beaucoup de coups. Et il reçoit tout un tonnerre de coups. Et il a le soutien de son public qui l'encourage à mettre fin à ce combat. Nous ne sommes qu'au deuxième round. Mais c'est Patrick qui mène le jeu. Le boxeur au gant bleu mène le jeu. Voilà! Monsieur Kazadi! Hey. Monsieur Kazadi! Stop! Monsieur Kazadi! Oh. Ce qu'on attendait, c'était prévisible! C'était prévisible! Oh, le boxeur au gant bleu ne pouvait pas tenir devant Patrick Munongo! Le boxeur Maoussou du commissariat urbain de Mamba ne pouvait pas tenir. Pas du tout, M. Kazadi. Ouais. C'était prévisible. Voilà qui danse. Ça danse. C'est qu'ils l'ont beaucoup affaibli. Sinon, il aurait tenu tête devant Maoussou. Victoire du boxeur Maoussou.